Merci à vous tous de nous accueillir. Je suis effectivement à la fois président, directeur général du groupe d'AER, mais aussi vice-président du GIFAS, qui est l'organisation de notre filière. Ce n'est pas que je veuille voler la primauté à Airbus, mais je voudrais d'abord parler de notre filière. Notre filière, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est relativement semblable à la vôtre. Alors je dis la vôtre, en fait, comme je suis aussi dans le nucléaire, c'est aussi la mienne. Mais elle est relativement semblable, c'est-à-dire que nous avons, au sein de la filière de aéronautique, nous avons un très grand maître d'œuvre qui fait environ 60 milliards, cet Airbus. Ça se compare aux 70 milliards de EDF. Donc on a un très grand maître d'œuvre, on a deux ou trois équipementiers importants qui dépassent les 10 milliards. Vous avez ça, nous avons ça aussi dans le nucléaire. On a 5 ou 6 ou 7 ou 8 équipementiers qui sont de l'ordre du milliard. Et ensuite, un très grand nombre de petits équipementiers, de rang 2 ou 3. Un très grand nombre, ça veut dire environ 500. Hein, 500 équipementiers qui font de quelques millions d'euros à 200 ou 250 millions d'euros. Donc c'est assez semblable à la filière nucléaire. Ce qui est aussi semblable, c'est que nous avons des activités dans l'aéronautique qui sont des activités très réglementées, avec des problèmes de qualité, des problèmes de sécurité, des problèmes de sûreté, qui ressemble à ce que nous avons dans le nucléaire. Un poids de l'État, alors pas totalement comme nous l'avons dans le nucléaire, mais un poids indirect de l'État par le biais de quelques grandes commandes, par le biais de l'aide que l'État nous apporte à l'innovation, on en reparlera. Des programmes très longs. Nous sommes sur des programmes qui sont des programmes au minimum de 20 ans avec des phases de développement qui ressemblent à 5-10 ans en phase de développement et ensuite 20 ou 30 ans de développement du programme après le développement. Donc ce n'est pas tout à fait aussi long que le nucléaire, mais ça y ressemble. Des investissements très importants. Nous sommes dans des métiers de niche, un peu. Hein. Les deux filières sont des filières de niche, donc avec des investissements ramenés au chiffre d'affaires produit, qui sont des investissements extrêmement importants. Des effets de cycle. On a parlé ce matin des effets de cycle actuels sur le monde du nucléaire. Nous avons aussi des effets de cycle qui ressemblent, qui ne sont pas créés pour les mêmes raisons, mais en gros, l'aéronautique, c'est 5 à 6% par an depuis 30 ans et pour les 30 prochaines années, mais avec des cycles très importants, plus 20%, moins 20%, qui sont notamment pénalisants au niveau des équipementiers les plus fragiles, les plus petits, où l'effet de cycle est accéléré. On peut avoir des effets de cycle dans les petits équipementiers qui vont jusqu'à 30, 40, voire 50%, à la baisse comme à la hausse. Ce n'est pas étranger à notre filière du nucléaire. Enfin, on a un besoin d'innovation extrêmement important. On va en parler tout à l'heure, on va prendre un exemple, voire deux exemples tout à l'heure. Un besoin d'innovation extrêmement important parce que nous devons commencer à imaginer ce que sera l'aéronautique dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Vous avez parlé ce matin d'un horizon 2030. Il est vraisemblable qu'à l'horizon 2030, l'aéronautique aura un peu évolué, mais pas beaucoup évolué. Par contre, au-delà, l'aéronautique devra évoluer de façon considérable. L'impact carbone de l'aéronautique dans l'ensemble des impacts carbone est de l'ordre de 2 à 3%. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, 2 à 3%, mais ça ne paraît pas beaucoup quand on ramène ça aux chiffres d'affaires économiques des pays. Mais par contre, quand on ramène ça au nombre d'individus qui voyagent en avion, le 2 à 3 % est important. D'où ce dont on va parler tout à l'heure, la réflexion sur la vie future des programmes aéronautiques et en particulier des programmes à base d'électricité. Alors,
Juste avant de passer la main à Olivier, je voudrais juste montrer l'organisation de la filière aéronautique, ce qu'on appelle le GIFAS, le Groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. C'est une filière qui est très intégrée. Nous avons une organisation qui est le GIFAS. Au sein du GIFAS, il y a un conseil d'administration où se retrouvent réellement les patrons de toutes les entreprises. Alors, bien sûr, il y a un phénomène d'élection, donc il ne peut pas y avoir toutes les entreprises, mais il y a les patrons des entreprises et que les patrons des entreprises, qu'elles soient très grandes comme Airbus, qu'elles soient de taille intermédiaire comme ma société, ou qu'elles soient des PME. Donc tout le monde se retrouve au sein de ce GIFAS. Après, nous avons, toujours à l'intérieur du GIFAS, nous avons une déclinaison sur les équipementiers, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire, qui ont leur propre groupement au sein du GIFAS et qui traitent leurs propres problèmes entre équipementiers et font remonter au conseil d'administration du GIFAS les problèmes majeurs des équipementiers. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Il y a une autre association qui est Aéro-PME, et là on parle des PME, qui, pareil, traitent leurs propres affaires et ensuite font remonter leurs problèmes au GEAD et au GIFAS. Alors je voudrais juste donner un exemple. Il y a actuellement une baisse d'activité, non pas sur les avions commerciaux, vous avez tous vu les carnets de commandes d'Airbus, mais sur l'aviation d'affaires qui est en baisse. Sur les hélicoptères, on a parlé ce matin de la baisse du prix du pétrole. Or, le premier marché civil des hélicoptères, ce sont les équipementiers pétroliers, les entreprises pétrolières qui commandent des hélicoptères. Donc il y a une baisse significative sur les hélicoptères et un certain nombre de PME se retrouvent en difficulté, celles qui sont concernées par ces deux marchés. Nous avons donc décidé au sein du GEAD, donc des équipementiers qui sont leurs clients, nous avons décidé d'identifier les entreprises PME qui pouvaient être en difficulté, de façon à ce que nous puissions dériver vers elles un peu de chiffre d'affaires, on n'est pas en train de parler de centaines de millions d'euros, un peu de chiffre d'affaires pour qu'elles puissent passer ce cap difficile, que la supply chain ne s'appauvrisse pas pendant cette période un peu difficile, donc sur l'aviation d'affaires et sur les hélicoptères. Voilà l'organisation. Alors après ça, on décline avec des commissions, on décline, il y a un staff conséquent dans l'organisation du GIFAS, puisqu'il y a environ 46 personnes qui travaillent en permanence. Il y a aussi des cotisations tout à fait conséquentes pour arriver à payer cela, mais ça en vaut le coup de façon à pouvoir échanger. Alors, quelques remarques. On en parlait avec Olivier tout à l'heure. On n'est pas des bisounours. C'est-à-dire que les discussions, même si on échange entre nous, les discussions sont parfois assez viriles, pour ne pas dire plus. On a un rôle de client et de fournisseur, donc là, la question ne se pose pas. Par contre, ce qui est l'avantage, c'est, j'en vois deux. Le premier, c'est de pouvoir raccourcir les cycles de décision. Puisque nous nous connaissons, nous raccourcissons les cycles de décision. Un coup de téléphone à n'importe qui. Le plus petit des équipementiers peut pratiquement appeler Fabrice Brégier, qui est le patron d'Airbus, en disant « Voilà, je voudrais voir tel problème. » Donc, on raccourcit les cycles de décision. Et deuxièmement, par les échanges, on arrive à anticiper, on en parlait ce matin, quelle est la charge de travail, quelle est la visibilité que nous avons sur les années qui viennent. On arrive à anticiper cette charge de travail, cette visibilité, et donc permettre aux équipementiers de s'équiper, de s'organiser, aux sous-traitants, de s'organiser pour pouvoir répondre à la demande. Voilà ce que je voulais vous dire. On va essayer d'illustrer ça en deux points portant sur l'innovation, parce que c'est un des points principaux que nous avons. Et donc, avant que Olivier ne prenne la parole, je vous propose de voir un petit film sur ce qu'on appelle l'IFAN, donc l'avion électrique.
Thank you. En fait, c'est une journée assez symbolique, puisqu'on va retraverser la Manche un peu plus de 100 ans après Berriot. Bonjour à tous. Alors, nous avons choisi de vous présenter l'avion électrique IFAN, que certainement beaucoup d'entre vous ont vu, puisqu'on a eu une année 2015 riche en couverture, en événements médiatiques et correctement relayés, dont la traversée de la Manche, que vous avez vue sur ces quelques images. Et c'est un assez bon exemple, une assez bonne concentration de l'innovation et d'un besoin d'innovation et de comment on s'y prend pour la conduire collaborativement, puisque c'est un mot important et je pense qu'il a un écho particulier dans cette journée. Mais avant tout, il y a une vision à l'origine de souvent, et je pense que même à partir de toutes les origines, il y a toujours une vision, et cette vision-là, celle d'Airbus, c'est une réponse en 2002, nous sommes en 2008-2009, une pression à juste titre, un peu nourri, qui se renforce sur les responsabilités sociétales ou environnementales de l'industrie aéronautique. Donc, quelle réponse apporter à des demandes de moins de bruit, moins de pollution de type NOx, donc les gaz azotés, ou l'empreinte carbone. Airbus, depuis un très nombre d'années, est engagé dans l'électrification des avions, donc des avions plus électriques. On a déjà supprimé un certain nombre de systèmes embarqués qui sont des contributeurs de poids, donc des économies de carburant associées. Mais le Graal, c'est la propulsion. Propulsion reste une demande d'énergie et de puissance majeure, des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec tous les besoins électriques des aéronefs. Donc, comment faire? Et en fait, cette vision, c'est souvent des quelques hommes qui la portent,
les visions ont besoin de sponsors et la personne, l'architecte un peu de tout ce sujet-là est quelqu'un chez nous, donc Jean Botti, qui a une double culture. Là aussi, c'est intéressant de voir que lorsqu'on vient de deux univers différents, on peut fertiliser ces univers-là. Donc, très bonne journée, très bon exemple pour voir que deux univers qui sont voisins peuvent s'apporter mutuellement les choses. Et en l'occurrence, l'IFAN en a fait tirer les profits, puisque quelqu'un qui avait une très bonne connaissance du domaine automobile s'est dit, voilà, il existe des solutions. Des solutions d'électronique de puissance, de moteur, de stockage de l'énergie, d'utilisation. Voilà. Peut-être que, en combinant tout ça dans un domaine aéro que je connais, dont je vois les contraintes, on peut arriver à envisager quelque chose. Et on s'est mis à rêver d'une propulsion électrique. Voilà, donc c'est tout début des années 2009. On s'est dit, voilà, quelle pouvait être une roadmap. Alors, il y a quand même des verrous. Beaucoup de gens qui nous disent, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, c'est pas... Alors, donc, tel le proverbe chinois, on s'est dit que toutes... Même les longues marches commencent par des petits pas. Donc, on a fait un premier petit pas en 2009 en électrifiant un avion. Donc, ça s'appelle un Cricri. Le Cricri, c'est le plus petit avion qui existe. C'est un avion monoplace. Et on a électrifié cet avion-là. Donc, on a enlevé les moteurs thermiques, enlevé le carburant, tout simplement... mis des batteries à la place des réservoirs et des moteurs, voilà. Donc ce qu'on peut faire, imaginer de plus simple. Et on a appris ce que c'était que, donc vous voyez la petite photo, et on a fabriqué cet avion-là, qui est en fait le premier avion monoplace quadrimoteur de voltige électrique. Vous voyez, donc c'était beaucoup de choses pour un si petit avion, et on a appris à voler électrique. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change? Et à partir de cet apprentissage-là, on s'est dit, mais c'est quand même assez différent. Il y a la même, certains d'entre vous conduisent peut-être des voitures électriques déjà et ont remarqué que c'est un rapport à l'exécution de mission un peu différent. Voilà. Donc comment tirer parti de cette nouveauté et concevoir un système autour d'un système électrique. C'est ce qu'on a fait sur l'IFAN 1. Donc l'IFAN 1, c'est la photo du milieu. Donc, qui est un prototype, un démonstrateur technologique, dans lequel nous avons complètement conçu un système à partir d'une motorisation électrique. Et puis, fort de cette expérience-là, on a dit, ben voilà, il est temps pour nous de poursuivre cet apprentissage en validant, allant jusqu'au bout de notre démarche, et proposant ça sur le marché, à l'aviation générale, très simple, un avion, deux places, une heure d'autonomie plus une heure de réserve pour des opérations tout à fait locales, proximité des aéroclubs. Mais c'est le moyen d'éduquer, de sensibiliser au vol électrique, de faire en sorte que les nouvelles générations de pilotes accèdent à ce vol électrique. Et puis aussi, d'avoir avec nous, ce que disait Patrick, tout à fait justement, on travaille en meute dans notre milieu, on travaille tous ensemble. Et il faut, autour d'un petit programme qui est le premier du genre, il faut associer, donc sur le leadership d'Airbus Group, des gros partenaires comme Safran, Zodiac, pour les principaux, mais également le CEA, des sociétés de taille un peu plus modeste, des PME, Aérocomposites Saint-Onge, EVtronic, Serma Technologies, puis des labos de recherche, l'ISAE Supaéro, l'ENAC, l'ENSAM, voilà. Et sans oublier que, bon, là c'est un peu fortuit, mais le programme a également Daher, mais Daher cette fois-ci en tant qu'avionneur, comme colonne vertébrale, puisque Airbus a décidé de s'appuyer sur l'expertise de Daher, ex-Daher Socata, pour réaliser le développement de cet avion, qui est un avion d'aviation générale, donc exactement dans le domaine d'expertise de Daher, et puis d'aller jusqu'à la certification, donc là aussi en s'appuyant sur toute la puissance de feu du groupe Daher sur ce sujet-là. Airbus a souhaité aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire obtenir la certification d'un avion. Bon, ça peut ne pas dire grand-chose a priori, mais c'est vraiment
une reconnaissance et vraiment une preuve d'un aboutissement que toutes les exigences réglementaires, telles qu'on a l'habitude de les satisfaire dans notre domaine aéronautique, sont également accessibles sur une architecture totalement électrique. Voilà. Donc, à la différence de toutes les initiatives que l'on peut voir fleurir sur le domaine de l'aviation électrique, qui sont plus du domaine des ULM ou de l'aviation légère, là, on affronte le législateur et le cadre réglementaire pour vraiment faire en sorte que, collectivement, on franchisse un cap. Voilà, donc, l'IFAN, c'est quoi ? C'est une innovation dans tout ce qu'elle a de plus 360, hein, donc très large, puisqu'on fabrique un nouvel avion, un nouveau moteur, une nouvelle batterie, un nouvel système de distribution, un nouveau calculateur, une nouvelle borne de recharge, un nouveau business model, donc c'est une nouvelle chaîne de valeur, une nouvelle réglementation qui n'existe pas. Donc c'est une innovation qui est... On a l'habitude de dire dans l'aéronautique on change un truc à la fois. Je pense que c'est peut-être la même chose dans votre domaine. Ben là, voilà, on essaie de tout mettre à plat et de tout reconstruire collectivement. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout ça n'est possible que parce qu'on travaille dans une forme d'intelligence collective. On ne peut pas résoudre, ça ne se résout que par réseau. On ne résout pas ça tout seul, contrairement à une innovation incrémentale où le problème est déjà posé quand on le prend, et puis souvent posé depuis de nombreuses années. Là, on pose tout en même temps et on est obligé de rassembler toutes les intelligences et de les faire vivre, de les animer et de faire en sorte que chacun produise dans ce schéma-là. À noter d'ailleurs que l'IFAN, c'est un nouveau produit sur de nouvelles technologies, mais c'est surtout une nouvelle génération d'ingénieurs pour qui le fonctionnement en réseau et le fonctionnement en innovation collaborative est une seconde nature. Donc c'est intéressant de voir que également il y a une nouvelle façon de poser les choses, une nouvelle façon de travailler tous ensemble qui est vraiment dans l'ADN de cette génération. Alors je ne sais plus si c'est la X, Y ou Z, ça change tout le temps. Enfin voilà, celle du moment. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire comme introduction sur l'IFAN. Peut-être expliquer en quoi. Et puis après, je pense que j'en aurais peut-être terminé sur cette introduction du programme. En quoi l'IFAN avait besoin d'une innovation participative ou collaborative ? D'abord, je pense que l'innovation collaborative, c'est quelque chose qui s'installe quand on en a besoin. C'est un mode d'intelligence collective qui ne se décrète pas, dire on est collaboratif, si c'est incantatoire, ça n'a aucune chance de fonctionner. Ça marche parce qu'il y a un besoin. Et le besoin qu'on avait, c'est un besoin d'innover de façon complètement transverse, y compris sur l'usage, y compris sur les business models, y compris sur la technologie. Donc là, il y avait un besoin de travailler et de partager tous ensemble. Il faut aussi que dans des ruptures comme ça, qui touchent les distributions de chaînes de valeur, où chacun doit se retrouver, hein, qu'est-ce que sera la partie d'un motoriste ? Aujourd'hui, un motoriste est très, très, très bien installé dans la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ce sera lorsque tout ça sera électrique ? Comment ça... Donc, il faut que chacun retrouve un petit peu sa place. Et ça, c'est des ajustements qu'il faut mener tous ensemble. Et l'aspect collaboratif permet que la somme... Il faut faire attention qu'on ait une phrase plus comme ça, parce que chaque fois, je me trompe. La somme des maximums soit même plus grande que la somme des maximums. Vous avez compris ce que je veux dire ? Le maximum de la somme soit meilleur que la somme des maximums. C'est-à-dire qu'il faut que chacun considère que c'est parce qu'il y aura un ajustement, chacun à sa place dans la chaîne de valeur, qu'on pourra générer justement le plus de valeur. Donc c'est aussi un des bénéfices de l'innovation et de ce partage collaboratif, c'est que chacun développe sa vision. Il y a pas forcément, il y a une rupture, mais une rupture qui est gérée collectivement et qui dans laquelle tout le monde fait son chemin et trace sa route. Et dernier point très très important, c'est que une innovation collaborative, en tout cas qu'on la vit, elle est rendue possible par un certain nombre de précautions. Alors, par des outillages liés, c'est vrai, par une façon de travailler, des méthodes agiles, tout ce qu'on veut, mais aussi par des cadres de propriété intellectuelle qu'il faut toujours
prendre en compte très très tôt. Il faut être très rigoureux là-dessus. Et puis après, une fois que les choses sont bien posées, on peut laisser libre cours à notre créativité et à notre travail ensemble. Donc voilà, donc c'est en tout cas la petite expérience que l'on vit encore et que l'on voulait partager avec vous au sujet de l'IFAN. Voilà. Et donc, comme je le disais, nous travaillons en très très étroite collaboration avec les équipes de Tarbes, donc du groupe d'AR, qui donc nous accompagne le groupe Airbus dans le développement de cette nouvelle aventure. Voilà. Nous avons encore quelques minutes et donc j'ai proposé à Olivier que nous abordions vraiment quelques minutes ce coup-ci un autre sujet de travail collaboratif. Là, on était dans de l'innovation, c'est-à-dire que le produit IFAN est un produit en avance de marché. Il ne sera sur le marché et il ne sera, l'avion électrique ne rentrera dans les mœurs que dans quelques années encore. Par contre, je voulais que nous abordions aussi le travail de développement, de co-développement. Donc là, on est vraiment dans l'industrie, on est dans la mise en œuvre de programmes. Et j'ai donc proposé à Olivier qu'on dise en quelques minutes, qu'on prenne un exemple qui pourrait être le A350. Donc Olivier, si tu pouvais présenter le travail en plateau en amont du développement de l'avion. Hein. Et ensuite, je présenterai comment nous, les équipementiers, nous vivons cela. Alors, autant sur l'IFAN, je pouvais en passer, autant sur la 350, j'ai quand même une petite fiche, parce que, bon, c'est plus de taille, plus de données, forcément. Alors, bon, c'était un développement absolument clé hein, pour Airbus, vous l'avez connu. Réponse à Boeing sur le Dreamliner, qui avait vraiment repris, était un game changer pour le marché colossal. Il fallait qu'Airbus se donne les moyens de réagir vite, juste. Il y a eu une première tentative sur la 350 qui a été pas juste du premier coup, donc il fallait absolument qu'on travaille de façon encore plus intégrée qu'on le faisait pour avoir la réponse qu'on devait avoir. Donc la 350, c'est un développement colossal. C'est donc début 2006, 8 ans de développement, 10 milliards d'euros d'investissement. C'est jusqu'à 10 000 personnes qui travaillent en pic sur le programme. Donc c'est 130 tiers sous-traitants de tier 1. C'est un développement complètement globalisé sur tous les continents. À date, on a 777 commandes. Bon, ça change tout le temps, je ne suis pas bien sûr de trucs. Puis 777, c'est un chiffre un peu marrant pour Airbus, d'ailleurs. Voilà, 41 clients à date. Donc des avancées majeures dans le domaine de la réduction du CO2, émission de CO2, 25%, consommation, 25%, coût d'exploitation, également 25%. Avec également des soins particuliers sur l'intégration, le trafic aérien, le bruit, enfin voilà. Et c'est été rendu possible par des innovations très très importantes au niveau d'intégration des moteurs, par exemple. L'aérodynamique de nouveaux profils, des reprises, nombreuses reprises, et des nouveaux matériaux, beaucoup plus de composites. Donc là, je pense que tu peux, tu seras beaucoup mieux placé que moi pour le dire. Et puis, une relation avec nos partenaires. Voilà. Donc ça, un peu dans les grandes lignes, ce programme. Mais en tout cas, il a été, cette innovation, cette rupture a été rendue possible parce qu'il y a eu justement une assez bonne allocation, assez bon transfert des chaînes de valeur, y compris, et surtout chez des partenaires de toute confiance. Et donc là, c'est là où je pense que tu peux témoigner de votre... Oui, alors, un programme comme le A350, les équipementiers de rang 1 vont être des co-investisseurs, co-risk sharing sur le développement du programme. Donc, bien entendu, c'est maîtrise d'œuvre Airbus, mais nous allons, nous, les équipementiers, être co-risk sharers, c'est-à-dire que nous allons investir sur les éléments, ce qu'on appelle les work packages, dont nous sommes attributaires, nous allons investir sur nos données propres, sur le développement de ces éléments-là. La photo que vous avez là est une photo des trappes de train, donc nous, d'ailleurs, nous sommes attributaires des trappes de train, et je voulais juste vous donner cet exemple du A350 pour que vous compreniez comment marche notre filière. Donc nous investissons aux côtés d'Airbus pour le développement des trappes du A350, à nos frais,
ça coûte en dizaines de millions d'euros et ça approche les 5 fois les dizaines de millions d'euros, rien que le développement des trappes. Bon, les trappes, c'est bête, hein, c'est juste des portes qui bougent, mais ça coûte une fortune. Mais ce n'est pas tout. C'est le travail collaboratif, ce qu'on appelle en plateau. Donc tous les sous-traitants d'Airbus se retrouvent en plateau physique ou virtuel pour développer conjointement, parce qu'évidemment, quand il y en a un qui change quelque chose, ça change chez l'autre, et on est obligé de revoir les masses, hein, notamment un avion, c'est un truc qui doit être le plus léger possible, et donc la moindre modification peut accroître la masse et rendre le programme inopérant et commercialement non valable. Donc ça, c'est la partie développement. Mais a posteriori, c'est ça que je voulais vous indiquer, a posteriori, il faut que les équipementiers puissent prévoir les investissements. Et cette photo que vous avez là est une nouvelle usine que nous avons construite à l'usage exclusif de la fabrication des trappes du A350. Et pour pouvoir faire un investissement 3, 4, 5 ans avant la production, pour pouvoir faire un investissement d'une usine exclusivement dédié à un programme et encore à un sous-ensemble d'un programme, encore faut-il que nous ayons une visibilité, une confiance, un échange, parce qu'un programme, ce n'est pas un long fleuve tranquille, de temps en temps, ça prend un peu de retard, ou de l'avance parfois, un échange qui nous permette à nous, les équipementiers, de nous positionner et de faire l'investissement longtemps en amont. Et ça, c'est vraiment l'avantage de notre filière. On ne dit pas, tiens, je te sous-traite ce truc-là et débrouille-toi. Je te sous-traite ce truc-là et ensuite, il y a un dialogue permanent, d'ajustement permanent entre le maître d'œuvre, Airbus, et les équipementiers, dont Daher, qui fait que c'est une filière qui marche très bien grâce à cela. Encore une fois, j'ai dit que ça restait très viril, hein, donc les bras de fer sont parfois assez violents, même avec notre ami Olivier, mais c'est une filière qui marche bien. Voilà ce que je voulais que nous vous montrions ce matin, et maintenant nous sommes prêts à répondre à vos questions, si vous en avez. Pour le coup, on voit rien là. Question, non ? Ah ouais. Ah. Pas de questions ? Si. Si, là-bas au fond, à gauche. Et là-bas aussi. Et où ? Là-bas. D'accord. Merci beaucoup pour ces différentes interventions extrêmement stimulantes. Est-ce que vous pouvez vous lever que... Bien sûr, pardon. Merci. En fait, là, en vous écoutant attentivement, la question qui me venait est celle de la relation à l'autorité. À l'évidence, il y a des enjeux majeurs de votre côté aussi. Comment s'articule la relation au régulateur, ou en tout cas celui qui va vous donner vos certifications tout au long de ce projet, si vous pouviez un petit peu illustrer ce qui s'opère dans votre merveilleuse industrie. Merci beaucoup. Alors, on a le plaisir d'en avoir deux à qui sont l'EASA et la FAA, deux autorités, une européenne, l'autre américaine. Et c'est il y a toute une stratégie d'approche, d'argumentation, de présentation, voilà. Donc des réseaux humains principalement, je pense que c'est. Et puis des pratiques, un arsenal réglementaire. Donc là-dessus, on a chez Airbus et puis chez Daher, on a une assez bonne pratique de ces autorités, et ça passe par des interfaces que l'on connaît très bien par ailleurs. Mais on introduit là énormément d'innovations en même temps. Et les autorités sont là pour être, la plupart du temps, le gardien du temple, et de faire en sorte qu'une innovation n'est pas plus, en tout cas qu'elle apporte un bénéfice mesuré, justifié, prouvé, voilà. Mais il y a des moments où les agences ont envie, parce que bon, c'est forcément très rationnel, mais ça peut être aussi l'impulsion de certains hommes, ont envie d'accompagner des innovations et de prendre des virages. À ce moment-là,
et c'est ce qui semble se produire également de notre côté, à ce moment-là, il y a un assouplissement général et puis une intelligence collective qui se propage justement dans les régulateurs. Et on se dit, ben voilà, sur l'aviation générale, donc l'aviation, petite aviation, on a la chance d'avoir des groupes importants, sérieux, Airbus comme chef de file, mais également des noms comme Safran, Zodiac, CEA, Daher, derrière. Ce sont des gens qui ont tous leur marque associée à cette initiative-là. Donc ce sont des gens sur qui on doit aussi comprendre qu'ils sont là pour apporter quelque chose et nous aider. Donc il peut arriver un moment où il y ait une bienveillance réglementaire, une écoute et la volonté de faire en sorte qu'on puisse accueillir dans cet arsenal déjà assez figé des innovations. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour l'IFAN, sachant que tout ça doit être, on est tous garants que ces innovations doivent être toujours dans un respect très méticuleux des principes de la certification, c'est-à-dire maximiser la sécurité des opérations. Voilà. Mais voilà, il peut y avoir une contagion de l'innovation également, de ce côté-là. Il y avait une question sur la gauche. Bonjour, Aymeric Lagoguet, je suis à l'ingénierie du producteur à EDF, en charge des équipes projets qui travaillent sur grand carénage. Et j'ai deux questions. On est une société EDF qui a une culture très forte de la structure, donc des structures, des divisions, des unités. Et la culture projet, c'est pas dans ses gènes. Et notamment à l'ingénierie, il faut qu'on apprenne à travailler hors structure et avec nos métiers de l'ingénierie, les métiers propres, style des ingénieurs, des génies civilistes, des mécaniciens, des électriciens, des automaticiens. Comment vous avez organisé chez vous cette partie-là, c'est-à-dire vos métiers propres d'ingénieurs au service des programmes? Et la deuxième question, c'est comment vous avez innové au niveau de votre approche contractuelle avec vos sous-traitants pour être capable de les embarquer très tôt dans la façon de développer vos avions et dans la façon de gérer ensuite cette relation contractuelle tout au long de la vie du programme. Alors, dans la fameuse matrice, les organisations type matriciel, les projets, l'ingénierie, qui prend la main sur quoi? Alors, c'est toujours un balancier. S'il existe bien le mouvement perpétuel, c'est peut-être sur ce sujet-là. Voilà, on ne sait jamais. Je crois qu'on a tous les mêmes problèmes. Bon, après, il y a effectivement des moments où il y a des organisations et des outillages et également des façons de travailler qui rendent propices. Donc, on parlait du plateau. Et le plateau, c'est alors ça peut vouloir dire une grande salle où on met tout le monde et puis ça se débrouille. Ça peut être aussi beaucoup plus structuré que ça. Il y a des méthodologies de travail collaboratives qui sont déployées dans les plateaux. C'est à peu près la meilleure façon de travailler qu'on ait trouvé en interne. Donc c'est réunir des gens physiquement, les mettre dans un endroit, les outiller avec des choses qui permettent de partager, donc des maquettes numériques partagées, des SharePoint, des choses qui sont très orientées et collaboratives, parce que ça marche. Outiller les gens pour qu'ils communiquent marche. Et puis il y a une culture de la conduite d'équipe quelque chose sur lequel Airbus a énormément investi pour faire en sorte qu'on arrive à créer un petit peu ces univers de trucs. Après, il y a toujours le retour d'élastique vers ce que vous appelez les engineering. On a un peu ce même phénomène. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Simplement, la mise en commun, l'augmentation des fréquences de communication, et puis une unité de droit, de lieu, de temps, d'espace, enfin voilà, tout ça, ça marche assez bien aussi sur nos projets. Voilà. Alors je voudrais rebondir aussi sur votre question, parce que nous avons dans l'aéronautique le même problème que ce que nous avons dans le nucléaire, c'est-à-dire des temps de cycle infiniment trop longs. Donc il y a une réflexion en cours, ou plutôt un changement d'us et coutumes en cours pour essayer de réduire les temps de cycle. On est parti, quand je dis « on », je parle de beaucoup de membres du monde aéronautique, et Airbus y compris,
donc des grosses boîtes comme Airbus ou des boîtes comme nous, on est parti vers des systèmes pour comment est-ce que nous cassons, nous faisons bouger les lignes en termes d'innovation, en s'inspirant beaucoup des startups. Nous créons des petits groupes, des petits endroits indépendants de la maison mère, indépendants de la lourdeur des bureaux d'études, etc., où, en gros, comme une start-up, tout est permis. Donc on va mettre sur la table des expertises différentes et vas-y, tu as 48 heures pour créer un truc. Tom Enders, le patron d'Airbus Group, Tom Enders a réuni aux États-Unis, je crois, son équipe de direction, et en 48 heures, je crois que le mot était flight. Voilà. À partir du mot flight, démerdez-vous, trouvez-moi quelque chose. Moi, j'ai réuni une trentaine ou une quarantaine de cadres de DAR. On a passé là aussi 48 heures. On avait chacun un mot. 6 ou 7 groupes de travail, des gens qui n'étaient pas des spécialistes, hein. Il y avait de tout. 6 ou 7 groupes de travail, chacun un mot. Sur les 7 groupes de travail, il y a 5 projets qui sont applicables immédiatement. Il y en a 2 qui mettront un peu plus de temps. Mais il y a 5 projets transformants applicables immédiatement. Voilà. Donc il faut à la fois avoir des bureaux d'études, avoir une réflexion un peu lourde, parce qu'on est sur des gros trucs quand même. Il faut en même temps avoir des bureaux pour faire de l'innovation comme l'IFAN, et puis il faut qu'on change les mœurs de notre profession, il faut qu'on change les mœurs de notre secteur professionnel pour réduire ces cycles. Si on n'est pas capable de réduire les cycles, là, pour le coup, on va se... je crois que c'était vous qui le disiez ce matin qu'il fallait ou vous qui disiez ce matin qu'il fallait réduire les cycles. Hein, c'est ça. Hein, si on n'est pas capable de réduire les cycles, alors nous serons battus par les grandes entreprises étrangères. Et je ne citerai pas l'initiale qui commence par B. Voilà. J'aurais dû mentionner ça tout à l'heure. Airbus a créé pour l'IFAN. Une société 100% détenue par Airbus quand même, mais qui s'appelle Voltaire. Alors Voltaire, tout le monde aura compris le jeu de mots. Donc c'est la petite société qui a la responsabilité du développement de l'IFAN, sa production, sa mise, sa commercialisation et l'opération de ce business-là. Et Airbus a souhaité, ou a jugé nécessaire, de découper, sous forme de ce qu'on appelle une spin-off, de découper et de permettre des fonctionnements différents, d'autres process, d'autres processus de recrutement, une autre IT, enfin des choses qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup, beaucoup plus agiles, pour créer une petite... Il faut un intrapreneur. Le mot existe, donc c'est un entrepreneur de l'interne qui va porter ce projet en interne comme si c'était sa propre société. Voilà. Donc là aussi, on vient créer un petit écosystème favorable à l'innovation, ce qui répond aussi parfois aux besoins que vous exprimiez. Une autre question ? J'ai une question devant. Voilà. Ah bon. Oui, je voudrais simplement répéter la question qui a été posée tout à l'heure par l'intervenant d'EDF à propos de la contractualisation. Quand on investit 50 millions d'euros dans des trappes, on espère un retour sur investissement, donc il se pose des questions de longueur de série, de garantie de prix, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages sur la façon dont ceci se passe ? Alors, quand on répond à un appel d'offres sur un work package comme les trappes, par exemple... Hein, donc là, nous répondons sur 3 critères. Nous répondons sur le coût du développement, nous répondons sur le coût ou le prix de la trappe produite, et nous répondons sur la masse de la trappe. Il y a bien 3 critères. La masse n'est pas quelque chose de significatif dans le monde du nucléaire, ça l'est dans le monde de l'aéronautique. En ce qui concerne le coût du développement, nous avons un engagement contractuel
avec Airbus en l'occurrence, qui nous dit, eh bien voilà, faites-moi votre prix sur 1000 avions. Alors là, commence un débat. 1000 avions, on n'y croit pas. 1000 avions, c'est trop. Bon. Et in fine, nous définissons avec Airbus que nous allons amortir sur une période, sur un nombre d'avions plus court, le coût du développement. Ceci ne nous met pas à l'abri d'un arrêt-programme. Et par exemple, il y a un programme qui actuellement, dans l'aviation d'affaires, est gelé pendant 2 ans, pendant 3 ans, parce qu'il y a un problème de motorisation. Eh bien, nous ne sommes pas, nous équipementiers, protégés par Airbus, en l'occurrence, ou si je prends les trappes, protégés d'un arrêt-programme. Donc nous le faisons à nos risques et périls. Et nous allons... bien entendu, essayer de comprendre la qualité du programme, la confiance que nous avons dans ce programme, c'est là où, encore une fois, le fait de pouvoir avoir des traits d'union extrêmement courts entre les différents patrons permet de se faire sa propre opinion. Nous prenons quelques assurances. La DGAC intervient dans ce qu'on appelle des avances remboursables, peut intervenir dans ce qu'on appelle les avances remboursables, c'est-à-dire là, c'est une forme d'assurance, en ce sens que la DGAC va avancer une partie du financement, de l'ordre de 20%, hein, en manière générale, donc ce n'est pas 100%, hein, de l'ordre de 20%, et se fera rembourser, là aussi, sur la durée du programme. Si le programme s'arrête, ils ne se font pas rembourser. Par contre, si le programme continue, c'est quand même le cas de la plupart des programmes, alors évidemment, il y a des royalties qui courent derrière, et la DGAC s'y retrouve assez largement. Voilà. Mais on est bien sous une forme contractuelle, nous sommes en risque sharing avec notre propre appréciation de la qualité du programme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'avais une question là, après ça, je crois qu'il faudra que j'arrête, parce que sinon je vais me faire gronder par Valérie. Ma question s'adresse aussi bien à M. Yursat qu'à vous-même. Donc je comprends bien les mérites du co-développement. Alors comment vous situez-vous par rapport aux autorités de la concurrence? Parce que les autorités de la concurrence, en général, n'aiment pas beaucoup ce qui ressemble un peu à de l'intégration verticale. Oh non, la question me surprend un peu parce que nous ne le vivons pas du tout comme ça. Je prenais l'exemple des trappes que je vous ai montrées, les trappes de train. Nous étions, je ne sais pas, 15 ou 20 équipementiers mondiaux au niveau de la planète à répondre là-dessus. Donc, quand le mieux-disant ou le meilleur-disant est sélectionné, c'est bien après un parcours de compétition, de concurrence très, croyez-moi, très, très sévère. Donc, non, il n'y a pas de problème du côté de l'autorité de concurrence. Quand on démarre le programme, on ne connaît pas exactement les contraintes techniques. Vous avez raison. On a bien entendu un cahier des charges, hein, mais comme on n'a pas encore fait le développement, nous sommes obligés de prendre des hypothèses de contraintes techniques qui parfois ne sont pas réelles, ne sont pas exactes, notamment dans la partie masse. Je reviens sur la partie masse qui pour nous est un point très significatif, puisque sur la partie masse, on va dire, eh bien voilà, mon package va faire 123 kilos et je vous le vends 80 000 dollars, peu importe les chiffres, hein, je vous vends 80 000 dollars. Tout kilo qui dépasse, c'est 1 000 ou 1 500 dollars. D'accord ? Donc vous dépassez de 10 kilos, vous avez bouffé un bout de marge. Hein, voilà. Donc, mais ça, c'est notre métier d'ingénieur. C'est notre métier d'ingénieur. Quand nous recevons le cahier des charges, bien d'estimer quelles sont les contraintes auxquelles nous allons faire face et essayer de les résoudre. Merci. Jean-Paul Poncelet, Foratom. Est-ce que vous seriez disposé très brièvement à partager avec nous quelques commentaires ou suggestions sur la manière dont vous gérez les situations post-accidentelles?
Je veux dire par là, introspection interne à l'entreprise quand il faut tirer les leçons d'un accident, mais aussi les relations avec le régulateur et les médias. Je pense que nous partageons à certains moments l'inquiétude du public à l'égard des accidents. J'aurais voulu savoir si vous aviez des choses à nous conseiller. Je vais peut-être prendre la question, Olivier. Oui, parce que donc nous fabriquons, si je prends la question, vous allez voir pourquoi, c'est que nous fabriquons des avions d'affaires, un petit avion d'affaires qui s'appelle le TBM, qui est un bijou, je vous le dis, c'est un vrai bijou. C'est un avion de 6 places, qui vole très haut, il vole à 30 000 pieds, il va très vite, 330 nœuds, ça, bon, c'est un vrai avion, quoi. Hein, bon. Mais c'est un avion qui est utilisé par, donc c'est un avion d'entrée de gamme des avions d'affaires, et qui est utilisé par des pilotes propriétaires. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui achète l'avion, qui l'utilise pendant la semaine et qui pilote lui-même pour ses affaires, un petit entrepreneur, un avocat, un chirurgien qui va aller d'un endroit à l'autre, d'un hôpital à l'autre, et qui l'utilise pendant le week-end pour son plaisir. Et donc nous avons là-dedans des pilotes non professionnels, et donc des pilotes dont la qualification, dont l'expertise, l'expérience n'est pas forcément très prononcée. Et alors, quand on vend un avion neuf, on exige un certain nombre d'heures de vol. Quand c'est un avion d'occasion, ça nous échappe, bien sûr, ce n'est pas nous qui le vendons, et donc nous ne connaissons pas les acheteurs. Nous avons pas mal d'accidents par rapport à Airbus, et c'est pour ça que je prends le point, parce que Airbus a un très très peu d'accidents, bien entendu, mais nous avons pas mal d'accidents, et donc la question que vous posez est une question qui est, malheureusement, que nous avons à traiter une fois par an. Là, nous collaborons avec les autorités de certification, avec le bureau d'enquête-analyse, nous collaborons, que ce soit en France d'ailleurs ou aux États-Unis ou n'importe où ailleurs, nous collaborons de façon extrêmement intime, extrêmement proche, extrêmement transparente, parce que c'est un traumatisme. Voilà. Et donc, il y a un traumatisme en interne. Bien souvent, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des amis, même parfois, qui ont cet accident. Et donc, il y a un traumatisme en interne à chaque fois. Et donc, nous collaborons de façon très transparente, de façon à pouvoir améliorer progressivement la façon, comment éviter les accidents. Je vous donne juste un exemple. C'était d'ailleurs le Rio Paris, ça. Le Rio Paris, toutes les alertes étaient là. Donc l'équipage avait à sa disposition toutes les alertes, sauf que le cerveau est saturé. Et comme le cerveau est saturé, j'ignore les alertes, ou j'ignore certaines alertes, et j'ai un accident. Eh bien, nous avons la même chose, bien entendu, sur nos appareils, et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment je déconnecte certaines alertes, et comment je mets le focus sur d'autres alertes, notamment par la voix, au lieu d'avoir une sirène. Hein, comment est-ce que j'essaye d'éliminer les alertes les moins importantes pour remettre le pilote désaturer le cerveau du pilote et lui permettre de réagir dans pratiquement tous les cas, malheureux, mais c'est comme ça, dans pratiquement tous les cas, si le pilote lâche les commandes, l'avion retrouve sa stabilité tout seul. Mais comme le pilote, encore une fois, il est saturé. Voilà. Merci bien.